Voilà, je me présente d'abord. Je m'appelle Youssef Bonen. Je suis actuellement postdoc à l'IMS. Je travaille actuellement en particulier sur la co-simulation et la simulation distribuée. Donc la simulation même géographiquement distribuée. Et aujourd'hui, donc, je vais faire une synthèse de mes travaux de thèse sous la direction de Monsieur Valisper et Monsieur Zakarevitch au sein du laboratoire IMS. Donc le sujet de ma thèse ou la problématique globale, c'était de présenter ou de préparer une plateforme de simulation pour la propagation des événements informationnels au sein d'un réseau social qui était financé par la DGA. Donc tout au long de cette présentation, je vais donc d'abord présenter quelques notions liées à la théorie de la modélisation et simulation que j'ai appliquées pendant ma thèse. Et ensuite, je vais présenter le cas applicatif. Donc on a essayer de simuler la propagation d'une opération psychologique, ce qu'on appelle les psyops, et à la fin, je conclurai avec des perspectives et une conclusion. Donc, le projet global s'intitule Psychomore. Donc, il implique trois groupes. Il y a le laboratoire IMS. D'abord, on a le laboratoire ILSIS de l'Université de Marseille pour la partie conceptuelle. Il y a le laboratoire IMS, normalement, qui était chargé de faire la transformation de modèles conceptuels au niveau opérationnel et préparer une maquette de simulation. Et le troisième partenaire, c'est la société MASA, qui était chargée de développer le logiciel final avec une visualisation 3D qui sera normalement qui était dédiée pour l'entraînement des agents de la DGA. Donc, tout au long de cette présentation, j'utilise beaucoup le mot réseau social, mais il ne signifie pas les médias sociaux. Donc, pour moi, un réseau social, c'est un groupe de personnes qui sont en lien, qui sont en interaction à travers des liens sociaux, des liens d'amitié, de voisinage, de travail ou de travail. Donc, les médias sociaux, ce qu'on voit actuellement, Facebook, Twitter, Instagram, etc., ce n'est pas le champ d'application de notre problématique. Donc en gros, donc j'ai formalisé un petit peu ce qu'on voulait faire. Donc d'abord, donc on a essayé de favoriser le partage et la réutilisation des modèles de la simulation, des phénomènes de propagation, en proposant en fait donc des modèles formels pour un agent, pour un réseau et même pour un réseau multiplexe. Donc après, on a cherché à comprendre quels sont les différents facteurs influant la diffusion de l'information en partenariat avec nos partenaires et en particulier le laboratoire ILSIS, qui travaillaient sur la communication, la théorie de la communication persuasive. Donc il y avait un modèle basé sur cette théorie-là. Et à la fin, donc, on voulait même savoir quel utilisateur pouvait influencer la diffusion d'un élément d'information. Donc on voulait préparer même une traçabilité de la propagation afin de comprendre la simulation ou de comprendre l'expérience, comme Monsieur Diallo l'appelait, et de détecter quels sont les éléments bloquants dans la propagation afin de les éviter pour des raisons de prédiction en fait. Donc aussi il y a le mot modèle de diffusion qui est appliqué dans plusieurs domaines. On le trouve dans l'économie pour la diffusion de l'innovation. Comment on va convaincre un client à consommer un produit? Il y avait des modèles de diffusion dans le domaine politique, donc aussi comment les opinions se propagent, ou dans le domaine marketing et dans le domaine de la science sociale, donc en particulier les événements informationnels. Donc, la première notion sur laquelle on a travaillé, c'est d'utiliser ou d'exploiter les réseaux sociaux multiplexes. Il s'intitule aussi des réseaux sociaux multicouches ou multidimensionnels. Donc, dans la littérature, on trouve des réseaux aplatis. Donc, on a deux nœuds A et B qui sont connectés à travers plusieurs liens. Donc, afin de mieux formaliser notre problématique, pour aussi appliquer et réduire un peu la complexité du modèle, donc on a essayé d'utiliser la notion des réseaux multicouches que je vais formaliser dans la suite. Et on a travaillé sur un certain élément, donc en particulier les modèles de diffusion. Donc là, ce que je présente, c'est un état de l'art, donc rapide, des différentes notions utilisées dans la thèse. Donc on a les modèles de diffusion
qui sont deux catégories, qui sont présentées en deux catégories, les réseaux, les modèles à compartiments, comme le modèle très connu dans la littérature, donc les modèles épidémiologiques, susceptibles, infected, recovered. Donc on a une catégorie de personnes qui sont susceptibles, avec un taux d'infection, ils vont devenir dans la deuxième phase infectés, et après ils peuvent redevenir recovered, ou il y a d'autres extensions, rester infectés à l'infini, ou recovered, après ils peuvent redevenir avec un taux d'infection ou un taux de guérison susceptible. La deuxième partie des modèles sont les modèles basés sur les réseaux. Et là, on peut trouver des modèles à cascade independent ou des modèles à seuil. Donc, exemple, voilà une petite animation qui montre comment un élément se propage. Donc, en se basant sur le poids des liens. Donc là, on a le nœud V qui va essayer donc de rendre les voisins actifs. Actifs, ça veut dire ils ont l'information et ils peuvent la transmettre à leur voisinage. Et selon le poids, donc si un seuil, l'émetteur peut transmettre l'information au récepteur où il va rester bloqué à cette étape-là. Donc ça veut dire qu'il ne va jamais la diffuser. Donc le deuxième modèle donc, se base sur le récepteur en fait. Donc c'est le récepteur qui filtre l'information. Donc moi je vais la recevoir, je vais regarder ce qui m'intéresse selon un certain nombre d'éléments. Par exemple, le degré de la similarité entre l'émetteur et le récepteur peut l'accepter ou non. Si on parle la même langue, si on le champ, le thème de l'information m'intéresse, elle rentre dans mes catégories, etc. Il y a un certain nombre de règles pour filtrer l'information. Et après, la simulation s'arrête en fait à ce niveau-là. Donc, dans notre cas, on a adopté le modèle qui se base sur le récepteur. Donc on a l'émetteur qui est aveugle, il a l'information, il va essayer de la transmettre, de la diffuser à tout son voisinage, et chaque récepteur traite l'information individuellement. Donc là, on voit qu'on a la micro-simulation. Donc on fait de la micro-simulation, après on a des phénomènes émergents au niveau macro qu'on va essayer d'expliquer après. Donc, et la simulation, c'est basé sur la simulation à événements discrets. Donc j'ai l'information. Et selon l'arrivée d'un événement, je change mon état. Soit je la diffuse, soit je la garde, etc. Donc là, je reviens sur le point évoqué par Monsieur Diallo au début, c'est l'universalité. Donc on veut un modèle formel que n'importe qui de domaine peut comprendre. Donc pour cela, on a adopté un formalisme DEVS, Discrete Event System Specification, qui a un certain nombre de caractéristiques. Et qui est proposé ou initié par Monsieur Ziegler en 76. Donc c'est un formalisme mathématique. Donc on a des états et des transitions. Donc je suis dans un état et selon l'arrivée d'un événement, je change de l'état A vers l'état B. Il y a un certain nombre de comportements. Mon comportement s'évolue. Donc on voit que on a même la durée de vie de chaque état. Donc c'est un modèle un peu dynamique. Pourquoi on utilise DEVS? Parce qu'il y a quelques caractéristiques qui nous intéressaient pour notre plateforme. D'abord, c'est une conception modulaire. Donc, on peut modéliser un phénomène complexe avec ce formalisme-là à travers de la modularité. Donc, on a deux modèles atomiques et couplés. Et après, on a la réutilisabilité des modèles. Donc, on peut les utiliser, c'est indépendamment de la simulation. On présente notre modèle comme on le voit. En interaction communiquant avec les spécialistes, et après on peut les simuler sur n'importe quelle plateforme. Donc là, exemple rapide, donc on a là, c'est un modèle atomique qui contient différentes caractéristiques. J'ai le port d'entrée, j'ai l'état, il y a la durée de vie de chaque état, j'ai la fonction de transition externe. Donc là, je suis dans un état A, j'attends l'arrivée d'un événement externe. Si je le reçois, donc je change l'état selon un certain nombre de règles. Sinon, je reste bloqué dans cet état-là jusqu'à l'infini, si la durée de vie est l'infini. Sinon, j'ai une durée de vie de 2, de 5, de 10. Donc, après la consommation de cette durée de vie, je change et j'évolue donc au cours du temps. Après, on a la notion des modèles couplés. Donc là, on couple deux modèles, soit atomiques, soit couplés en parallèle, pour construire un modèle un peu complexe. Donc après, donc DEVS est la base. Après, il y a un certain nombre d'extensions pour répondre
à des problématiques ou à des spécifications. Donc, en particulier, on a utilisé aussi DSDevs, c'est Dynamic Structured Devs, pour construire un réseau. Donc là, on a essayé de formaliser un réseau. Donc on a des nœuds, on a un tableau de relations, et nous, on a essayé de proposer d'une manière automatique, à travers une librairie, un modèle exécutable en fait. Donc il contient un comportement, on a un certain nombre de paramètres, et on a exploité le formalisme ou l'extension du formalisme devs qui est DSDevs. Là, on le génère d'une manière automatique, on peut ajouter des liens, on peut créer ou supprimer des modèles à travers le temps. Là, c'est juste rapide. Donc il y a un certain nombre de compilateurs qui peuvent exécuter nos modèles. Donc la littérature est très riche. Donc il y a un certain nombre de compilateurs donc gratuits, open source, et d'autres qui sont payants. Donc nous, autour de la thèse, on a exploité les trois premiers, VLE, CD++ et SSDME, qui sont soit graphiques, soit on utilise le langage Java ou C++. Et au final, donc on a implémenté tous nos modèles sous VLE, qui est Virtual Laboratory Environment. Donc là, on développe le comportement de chaque modèle, de chaque agent, en fait, en utilisant le langage C++. Après, on a proposé une formalisation d'agent. Donc, on a un agent qui va simuler, qui va jouer le scénario ou l'expérience, auquel on va raconter une histoire, et après, donc, il va la faire suivre à son voisinage. Donc, nous, on a essayé de le formaliser. Il a une perception, en fait. Donc, il est dans un état. Il reçoit une information, il reçoit un événement déclencheur. Après, il a un comportement qui est traduit dans notre modèle par des fonctions de transition interne. Donc là, je reçois, j'ai une fonction qui fait un certain nombre de traitements développés en fait. Après, on a une action, donc une fonction de sortie. Donc je fais quoi à la fin? Voilà, je reçois l'information, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais changer mon opinion à travers, vers cet événement, vers une situation? Est-ce que je vais adopter le produit, je vais adopter l'innovation ou l'information, point final, je fais rien, etc. Donc là, on a proposé une formalisation pour un agent. On a la perception à travers d'une fonction externe. Après, on a tout ce qui est action, autonomie, donc c'est l'union des différentes fonctions. Et on a l'action qui est traduite par la fonction externe, et la fonction interne plutôt. Donc après aussi, donc on a essayé de formaliser le principe des réseaux sociaux multicouches ou multiplex. Donc on a une personne qui est connectée avec une autre personne à travers plusieurs liens, liens d'amitié, de travail ou de voisinage. Donc et on a considéré que dans chaque couche donc, représente un type de relation. Donc là, la première couche, L1 par exemple, c'est des gens qui sont connectés à travers le lien d'amitié. Et là, l'information va se propager autrement. Donc, deux amis, comment ils vont échanger une information? C'est différent de deux collègues de travail, comment ils vont évoquer l'information, et etc. Donc, pour cela, on s'est dit qu'il y a des algorithmes de diffusion spécifiques à chaque type de relation, de un. Et de deux, on peut, selon le scénario, selon l'expérience qu'on veut jouer, on peut activer, désactiver donc des couches facilement. Donc là, on peut simuler juste une propagation au niveau familial. Donc juste les individus ou les nœuds qui sont connectés à travers le lien famille. Et aussi, donc rapidement, je présente les deux slides qui viennent. Donc on a présenté, proposé une formalisation de ce type d'horizon en se basant sur le formalisme DEVS. Donc on a, nous, ce qu'on reçoit de nos partenaires, c'est vraiment un graphe statique ou un tableau de relations. Et après, à travers une bibliothèque, on le transforme vers un modèle exécutable. Il contient un comportement, il contient des fonctions et de la notion de la durée de vie de chaque étape. Graphiquement, on peut dessiner ce VLE, donc un modèle couplé avec des blocs et des liens. Donc par rapport toujours au modèle de diffusion, donc on a deux types. On a soit la communication par partage d'informations, donc on a l'information quelque part, et tous les individus vont essayer d'interagir avec ce composant afin de récupérer l'information,
ou par diffusion ou par envoi de messages. Donc, chaque individu qui a l'information, qui est, entre guillemets, dans l'état actif, donc il a l'information, il peut la diffuser à son entourage, il va la diffuser directement. Et comme je disais au début, j'ai dit au début, donc on filtre l'information au niveau de récepteur. C'est lui qui va recevoir, l'information, un package qui contient un certain nombre d'éléments, et selon ses caractéristiques, selon sa situation, il va l'accepter ou il va la refuser. Donc après, c'est un peu techniquement, donc c'est ce qu'on a proposé, c'est une architecture qu'on appelle proxy serveur. Tout passe par le serveur en bas. Donc ici, lui qui va diffuser l'information pour chaque proxy. On peut dire c'est une architecture maître-esclave. Donc on a le maître qui a le comportement global et on a les différents composants pour chaque couche qui contient juste un algorithme de diffusion ou de filtrage en fait. D'une manière globale, donc on a les entrées qui sont d'abord la structure de mon réseau, donc la société. Après, on a les différentes propriétés des individus et l'information qu'on veut propager. Donc après, on a la partie algorithmique. Donc d'abord, on calcule, on se base sur la communication persuasive. Il y avait plein de littérature, il y avait plein d'algorithmes dans la littérature. Je présente un dans le slide qui suit. Donc on calcule le degré d'intérêt. Le graphe qu'on reçoit ne contient pas de poids en fait. Donc j'ai deux nœuds A et B, donc ils sont connectés par un lien, mais il n'y a pas le poids. Est-ce qu'ils sont vraiment une relation forte ou c'est juste des collègues qui se croisent dans la cafette de temps en temps? Donc là, nous, on l'a remplacé par un paramètre, une variable en fait. C'est le degré d'intérêt qu'on va calculer en se basant sur la similarité entre l'émetteur-récepteur. Si ils parlent la même langue, déjà c'est pas mal. Si ils partagent un certain nombre de caractéristiques communes, après on peut regarder aussi donc le thème de message. Si j'ai des orientations politiques qui sont pareilles, donc là on a c'est libre, donc c'est selon la littérature on peut améliorer, complexifier l'équation en fait. C'est une équation linéaire. Après on a la deuxième partie, c'est le modèle d'influence. Donc voilà, j'ai reçu l'information, qu'est-ce qui se passe? Donc si on regarde les modèles de diffusion adoptés dans le marketing, donc si on essaye de convaincre le client à adopter le produit. Donc si on regarde dans la politique, on essaye de convaincre le public à adopter une opinion X par rapport à un événement Y. Donc là, c'est pareil. On va essayer de simuler donc la diffusion de l'information et selon le besoin de chaque organisme en fait, donc on va l'orienter sur quel modèle d'influence. Est-ce qu'on va changer son opinion vers X, vers Y, etc. Et la sortie, c'est pour nous, c'est des graphes, c'est des API donc un peu visuels qui montrent l'opinion initiale avec l'opinion finale par exemple, qui montrent le pourcentage de public ou des individus qui ont adopté un produit, etc. Donc le modèle qu'on a adopté pour la diffusion, il se base sur le concept Elaboration Likelihood Model. Donc là, on est dans la communication persuasive. L'agent, d'abord, il va calculer un degré d'intérêt avec l'émetteur. C'est le récepteur toujours, tout ce calcul se fait au niveau de récepteur. Donc, il reçoit l'information, c'est bon, il y a un déclencheur. Donc là, je fais un traitement, un certain nombre d'équations à calculer. Et là, on fait une comparaison. Si j'ai un intérêt pour le message selon le nombre d'arguments, la clarté de message, la complexité en fait de message, le type de relation avec l'émetteur. Si le supérieur a un seuil, donc je passe, je fais un traitement et le traitement, il est soit périphérique, soit central. Périphérique, donc je regarde même pas la suite, je regarde pas les arguments, donc je le traite rapidement. Il a un impact pour nous, on a un changement d'opinion. Donc là, on a intégré une variable qui prend le poids. Donc le poids selon quel média, selon quelle voie. Est-ce que c'est la voie périphérique ou la voie centrale? Si je traite par la voie centrale, le poids sera fort. Et là, je commence à analyser même les arguments.
exemple d'équations qui ne sont pas complètes. Là, j'ai mis juste deux pour illustrer un petit peu. On a la complexité de message, on a le contenu, la clarté en fait de contenu, on a un certain nombre de caractéristiques culturelles pour chaque individu, on a le thème de message. Et après, pour calculer aussi la capacité de récepteur à traiter le message, si j'envoie un message texte alors que le récepteur ne sait pas lire, donc là, forcément qu'on sort de la boucle. Donc il ne va pas accepter le message, il ne nous intéresse même pas. Si j'envoie un message visuel ou un message par radio et le récepteur il est pas connecté, donc aussi, donc là, on sort de la boucle. Après, on s'intéressait à la fin comme variable pour illustrer un petit peu notre étude et ce qu'on faisait, donc pour voilà, être dans le scénario. On a essayé de calculer une opinion. Donc à l'initial, on donne une opinion aléatoire pour toute la population par rapport à un événement X. Et là, on adopte une équation pour le changement de l'opinion. Si je reçois le message, selon quelle voie périphérique ou centrale qui va impacter la variable gamma, et là, je change un opinion. Soit je converge vers l'opinion de mon émetteur, soit le contraire, selon plusieurs règles qu'on a déjà implémentées dans le système. Donc, en gros, l'architecture qu'on a proposée, donc on a trois modules ou trois aspects. Il y a la partie pré-simulation dans laquelle on a toute la collecte des données, la génération de la population. Donc, on parle d'une population, mais il est représenté sous forme de quoi? On a essayé de définir quelques algorithmes de génération pour générer une population virtuelle, artificielle, qui se ressemble un petit peu à la réalité pour une ville bien déterminée, qui intéressait donc la DGA en fait. Après, on a la partie, le cœur du métier, c'est la partie simulation. Je reçois le graphe, je reçois le tableau de relation. On fait une transformation vers un modèle exécutif, un modèle avec un comportement, avec un sens pour la simulation de l'ordinateur pour l'exécuter. Après, on alimente aussi le système par un plan d'expérience. Donc, quelle est l'histoire qu'on veut simuler? Quels sont les différents paramètres? Et à la fin, dans la troisième partie, on s'intéressait à la visualisation. Donc, au post-simulation, on a préparé un certain nombre de scripts et une API pour visualiser et pour mieux expliquer le résultat de la simulation, qui va nous aider aussi à valider le modèle, parce que pour communiquer avec les experts, forcément qu'il faut un peu de visuel pour voir est-ce qu'on est dans la bonne direction ou non, qu'est-ce qu'il faut voir, etc. Et donc le premier module qui était donc la préparation des algorithmes pour la génération, on a des données de terrain, des pourcentages, le nombre de personnes qu'ils ont une religion A avec une religion B, le pourcentage des personnes hommes, femmes, etc. Et là, on fait un certain nombre d'algorithmes pour générer une population qui n'est pas réaliste, mais on dit virtuelle, mais qui a un certain nombre de caractéristiques qu'on exploite dans la suite des modèles, qui a un sens. Là, on a deux groupes qu'on génère. On a des groupes primaires avec dimension famille, voisins et amis, et un groupe secondaire qui était politique. Donc là, c'était le sujet d'un postdoc donc préparé par Mathilde Forestier. Donc, exemple de graphes qu'on génère. Après, on a par exemple là, donc c'est un graphe avec des chefs religieux. Donc, chaque chef, donc il est connecté à un certain nombre de personnes. Donc après, donc ça vient mon rôle. Donc je récupère toutes ces données-là qui étaient stockées dans une base de données. Donc je fais la transformation vers un modèle exécutif. Après, on a un générateur qui va générer un plan d'expérience en se basant sur un fichier d'entrée. On fait de la simulation, on traite et au final, on crache quelques éléments qui intéressaient voilà, les gens de domaine. Là aussi, c'est un peu technique, comment je transforme un graphe statique vers un modèle exécutable. Donc, je passe. Et la troisième partie, donc, c'est vraiment de faire la visualisation. Là, j'ai utilisé donc un outillère pour présenter toute une interface. Voilà, on avait l'interface un peu basique. On a
un certain élément pour à configurer au début avant de lancer la simulation. Après, on peut visualiser soit des pie charts, des histogrammes, des graphes ou même une animation. Donc, au début, à l'instant T égale 0, j'ai l'information qui est dans cette zone-là. Et à l'instant, à la fin de la simulation, qui sont les gens affectés ou sur quelle zone l'information a été propagée. On a essayé de voir, de visualiser les résultats même sur une carte Google Maps afin de mieux comprendre le phénomène. Donc, un petit rappel du contexte du projet. Donc, nous, on intervient au niveau formel, donc pour transformer tout ce qui est conceptuel vers le niveau formel et préparer une maquette académique pour simuler les différents algorithmes afin de voir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer et rentrer en discussion avec les experts sans être aveugle. Donc là, on prépare quand même à chaque fois, on avait des résultats à montrer. Des fois, ça tient le coup, des fois, il faut tout refaire parce que on a négligé des paramètres ou le modèle n'est pas assez complet, donc on l'a amélioré au fur et à mesure. Donc la communication persuasive, donc là c'est quelques éléments qu'on a pris en considération. Donc on avait le médium, quel moyen utiliser pour transmettre l'information, les caractéristiques de message, on a la complexité de message, la clarté de contenu. On a la crédibilité à la source. Donc là, à l'instant T égale 0, par exemple, un militaire, il a l'information. Est-ce qu'il est crédible par rapport à... Est-ce qu'il est crédible ou non? Donc il impacte la diffusion de l'information. Exemple des paramètres qu'on a pris en considération et après on les a quantifiés. Donc comme j'ai montré dans l'interface, donc c'est paramétrable. Et selon chaque expérience, selon chaque histoire, on peut le paramétrer comme on veut. L'opinion pour toute la population à l'instant T égale 0, c'était aléatoire. Et après la réception du message, donc on s'est basé sur le théorème de changement d'opinion, l'opinion dynamique, proposé par Friedkin en 99. Donc il dit si l'émetteur, donc je suis le récepteur, si l'opinion de l'émetteur est dans l'intervalle de mon opinion, j'ai une opinion de 5, je prends l'intervalle qui est plus 1 moins 1. Si l'opinion de l'émetteur est dans cet intervalle-là, et selon le paramètre gamma, selon le poids, quelle voie j'ai empruntée pour le traitement de message, je change mon opinion, soit je converge vers l'opinion de l'émetteur, soit je diverge. Donc un exemple d'une mission PSYOPS qu'on a récupérée d'un document militaire. Donc si on... Donc, Monsieur Saïko l'appelle comme une histoire. Après, nous, on appelle ça un plan d'expérience. Donc, on a le médium, on a quelques informations qui vont nous aider à quantifier un petit peu les éléments implémentés dans le message. Et à la fin, on s'intéressait à par exemple, le pourcentage, le nombre de personnes atteintes par une opération en mettant. Donc là, on a imaginé qu'on a implémenté une radio. Il a une portée de 2 km. Et à l'instant T égale 0, on diffuse l'information pour tous les agents qui sont à l'intérieur de cette portée-là. Après eux, ils vont essayer de la diffuser autour de leur réseau. Donc, des fois, on a le pourcentage, le nombre des personnes qui étaient atteintes à l'instant T égale 0. Après, pourquoi on voit que des fois, si on bloque les différentes couches que j'ai présentées comme un réseau multiplexe, donc le pourcentage de personnes atteintes change avec ce paramètre-là. Aussi, il y a la simulation, ouais. Donc là, le nombre de personnes à travers, le nombre de pas, donc là, ce graphe montre, voilà, le B, donc montre le nombre de pas. Donc là, c'est à l'instant T égale 0, donc j'envoie pour tous les individus. Après, donc, eux, ils vont diffuser pour la deuxième pas, troisième, quatrième, au bout du cinquième pas ou du sixième. Donc, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas d'événement qui circule dans le réseau et la simulation s'arrête. Donc là, tout ce que j'ai présenté, donc la simulation s'arrête automatique. Donc c'est pas à nous d'arrêter la simulation ou de choisir quel intervalle, mais on laisse la simulation tourner jusqu'où il n'y a personne qui veut diffuser son information. Pareil ici, donc là en bas, donc on a essayé aussi de présenter
Donc l'opinion initiale et après la simulation en se basant sur ce qu'on a implémenté, les différentes règles présentées, quelle est l'opinion initiale et finale de chaque agent. Donc le premier graphe représente, donc là on a les infos sources en fait. Donc à l'instant T égale 0, donc on donne l'information à 4 personnes aléatoires et on fait la simulation et regarde le nombre de personnes atteintes au final. Donc, des fois, on tire des conclusions qu'il y a des combinaisons vraiment à éviter. Donc, si on donne l'information à t égale 0 pour cette combinaison-là, pour six agents, donc on n'atteint personne. Soit ils sont hors connexion, donc ils ne sont pas connectés. Et là, on le considère dans le marketing. Des fois, il y a ce qu'on appelle les influenceurs, donc ils ont une information à produire, à consommer pour influencer au maximum le public. Et si on se base sur cette étude-là, donc on tire des conclusions, genre il y a des combinaisons qui augmentent vraiment le nombre de consommateurs, mais qui ne sont pas des influenceurs, donc qui ne sont pas des chefs de tribu, qui ne sont pas des chefs religieux, mais c'est des personnes normaux. C'est juste que la centralité est très forte, donc ils sont trop connectés à leur voisinage où il n'y a pas de blocage, disons, des éventuels blocages au cours de la simulation. Donc là, c'est juste une synthèse de quelques travaux. Donc après, on a extensé donc l'application dans le domaine industriel pour simuler la propagation d'une information informelle au sein d'une organisation structurée. Et ce que je viens de présenter, donc un certain nombre de propositions, un certain nombre d'algorithmes de diffusion pour une information, pour un événement informationnel. Basé sur l'individu. Donc on fait de la simulation au niveau micro et après les différents résultats sont traités au niveau macro. Et en gros, donc j'ai présenté la maquette de simulation qu'on a préparée pour la DGA et les différents algorithmes implémentés dans cette maquette. Donc ce qu'on n'a pas pris en considération dans cette étude-là à l'époque, c'est les réseaux temporaires. Donc il serait intéressant d'intégrer. On a un réseau qui se construit au fil du temps. Donc nous, tout ce qu'on a comme réseau au début, il est fixe. Donc on rentre les informations à l'instant t égale 0. On a la simulation qui tourne et on a les résultats. Donc il serait intéressant qu'il y aura des réseaux qui se construisent au cours de simulation. Par exemple, il y a tout ce qui est marché. Donc là, on veut simuler une société et on a un marché qui sera donc prêt. À marcher pour un week-end matin. Donc là, on l'a pas pris nous en considération. Donc forcément que la propagation d'informations sera augmentée ou réduite selon les mécanismes implémentés. Après, on n'a pas pour la validation. Donc là, la seule moyen qu'on a exploité, c'est de présenter, d'exposer les différents résultats pour des experts. Donc il serait aussi intéressant d'exploiter les données des réseaux. Des médias sociaux et faire une validation opérationnelle de notre modèle. Après, comme je viens de dire, donc on travaille dans la dernière partie, on a travaillé sur l'analyse de la communication informelle dans une structure formelle, donc type laboratoire, comment les informations vont être propagées dans ce genre de structure. Voilà. Donc je m'arrête là aussi, si vous avez des questions. Merci.